je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera postée la semaine prochaine. Nous sommes le week-end, je suis en repos et donc je profite de faire une petite vidéo. Donc pour cette année 2017, je vous l'ai dit, il y aura donc des nouvelles catégories de vidéos ou des vidéos que je faisais très très peu et que je vais faire beaucoup plus nombreuses pour cette nouvelle année, des changements sur ma chaîne. J'espère en tout cas que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et de mettre plein de petits pouces vers le haut. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos et je vais aujourd'hui vous faire une vidéo revue. Première impression. Donc, à quoi ça consiste? Ça consistera donc à vous présenter des produits qui coûtent pas cher, que j'ai testé durant des semaines et donc vous donner mon avis. Ce seront des tests de produits, bien sûr, de beauté, que ça soit des soins, que ça soit du make-up, que ça soit des soins capillaires, des produits make-up qu'on peut retrouver donc accessiblement près de chez nous, que ce soit dans les grandes surfaces ou dans les petites enseignes, vraiment des produits à petit prix. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de deux produits que j'ai testés, que on peut retrouver donc chez Action. Et donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à regarder la suite. C'est parti dans cette vidéo, comme je vous l'ai indiqué, je vais vous présenter donc deux produits que j'ai testés depuis plusieurs mois. Et l'autre qui est donc un produit make-up que j'ai testé depuis quelques semaines, qui provient donc des magasins Action. Donc, si vous en avez un près de chez vous et que vous ne le connaissiez pas et que vous n'avez jamais fait attention, je vous invite à y aller vraiment activement parce que vous pouvez retrouver vraiment de très très bons produits, que ça soit pas que du make-up, que ça soit décoration, que ça soit nourriture, que ça soit accessoire. Vous y retrouvez vraiment beaucoup de choses et ça fait un peu comme les sites asiatiques. On peut retrouver plein de petites choses à petit prix. Donc, le premier produit que je vais vous présenter, ça fait quelques mois que je l'utilise et donc c'est un gel régénérant à base d'escargot. Oui, à base d'escargot. Donc, ce produit coûte 0,99 centimes chez Action. Il se présente comme ceci, voilà. Et si ce produit vous intéresse, une fois la vidéo terminée, puisque je vais vous en faire un détail complet, puisque c'est un produit que j'ai vraiment, mais vraiment apprécié. Et je peux vous dire que niveau soins, j'en ai une tonne, mais que ce produit m'a fait énormément de bien. Voilà, donc c'est un produit, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur l'image, à base d'escargot, ce qui pour ma part n'est pas du tout dérangeant ni gênant. Et certains vont se dire à cet instant même, est-ce badigeonne de bave d'escargot sur la face? Mais je peux vous dire que cette crème n'a vraiment aucune odeur d'escargot et elle sent super bon. Je vais vous en faire un détail complet. Et je tiens à vous dire que moi, les petits escargots comme ceci, je suis d'origine perpignanaise et je suis catalane, pure et dure. Chez moi, les escargots, on les mange. Oui. On les mange grillés l'été. C'est juste une tuerie. Comment te dire que moi, quand je me déplace sur Perpignan et que mon père dit ce week-end, c'est cargolade, je peux vous dire que on se bat. Voilà. Et que mon père a la fichue tendance à faire de manger les escargots et de laisser la coquille vide sur le grill. Donc, si il y a des gens de Perpignan, des purs et durs catalans qui me regardent, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça quand vous faites griller l'été des bons escargots. Donc, ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous parler de ce produit qui est donc un gel régénérant à base d'escargot. Et cette crème, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette crème, tout simplement, elle est super. Je la trouve super bien et elle permet de traiter autant le visage que le corps. Et donc, elle a pour but, cette crème, de
traiter tout ce qui est acné. Si vous avez des boutons d'acné que vous n'arrivez pas à enlever, elle permet aussi de traiter les cicatrices, les taches de vieillesse, les rides et les vergitures. Voilà. Et bon, les rides d'expression un peu ici. Moi, je l'ai acheté puisque au moment où je l'ai acheté, c'était au moment où j'étais vraiment fatiguée. Et c'était au moment où j'avais perdu un membre de ma famille et ça m'a vraiment foutu un coup. Et donc avec le stress, j'avais plein de petits boutons qui m'étaient sortis. Et grâce à cette crème, ben, tout est parti. Vraiment, elle est super géniale. Donc si toi derrière ton écran, tu es peut-être adolescente et que tu as peut-être des problèmes de peau, je te conseille de tester cette crème qui est super, je le répète, géniale. Donc, elle se présente comme ceci. C'est un gel vert et elle sent super bon. Il n'y a pas de senteur de bave d'escargot. Le gel est vert comme ceci. Voilà. C'est un petit peu, un peu un gel gélatineux, un petit peu. Et voilà. Et c'est assez épais et vous le passez donc sur le visage ou sur le corps là où vous avez vos cicatrices. Et moi, des fois, en ce moment, j'ai pratiquement plus de boutons. Je le mets aussi en tant que base de maquillage. Et je peux vous dire que votre fond de teint tient super bien avec ces petites crèmes. Elles s'appliquent très très bien. Elles pénètrent bien. Et elle a une senteur, mais juste exceptionnelle, quoi. C'est vraiment un truc de fou, voilà. Et ça marche super bien. En tout cas, moi, pour mes problèmes d'acné que j'ai eu, elle marche super bien. Vous pouvez également vous en servir comme crème de nuit. Ça peut aussi traiter vos petites imperfections que vous avez. Mais moi, en tout cas, pour le prix, vous verrez la petite croix. Je valide. C'est super, super intéressant. Voilà pour ce premier produit que je vais présenter. Donc, c'est un produit make-up. Et donc, c'est cette poudre de chez Max Segmore. Donc, comme toutes les autres, vous pourrez constater que c'est la marque normalement originaire de chez Action. En sachant que ce que j'ai vu récemment sur d'autres youtubeuses, il y a une nouvelle marque que a produit Action, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. En tous les cas, j'espère qu'au mois de février, lors de mon déplacement sur Motoban, je pourrai retrouver les nouveautés qu'ont sorti Action pour pouvoir vous les tester et bien sûr vous en donner mon opinion. Et donc moi, à l'origine, je voulais trouver donc cette poudre HD qui permet donc de fixer et que je n'ai pas retrouvé. Et donc à la place, j'ai retrouvé celle-ci qui est la Max Elmore. C'est une poudre minérale Power Foundation et je l'ai en teinte 0 de médium fer. Voilà, je voulais vous montrer dans mon dernier haul, je crois achat, que j'avais oublié de vous mettre dans le haul action. Et je la trouve super géniale. Donc moi, je m'en sers pas uniquement pour poudrer mon visage. Moi, je m'en sers surtout pour poudrer et fixer mes cernes. Et donc, poudrer et fixer donc mes paupières. Oui. Donc, vous retrouvez ce produit, si mes souvenirs sont bons, je crois, soit à 0,99 centimes ou 1,49 €. En tout cas, ça ne dépasse pas les 1,50 €. Voilà. Donc, cette poudre, elle est composée avec des petits picots comme ceci. Donc, je vais essayer de ne pas foutre le bordel. Parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo achat, elle est composée de très très gros picots. Et comme je vous l'ai dit, le seul petit hic de cette poudre, c'est qu'elle donne trop trop de produits et que ça dégueulasse un peu tout le packaging. Voilà, c'est le seul petit que je pourrais donner à cette poudre. Ensuite, elle est super super bien. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi je m'en sers donc pour fixer, poudrer mes cernes.
et donc mes paupières avec mon mini beauty blender que j'ai acheté sur AliExpress. Donc ce que je fais moi et que je le teste depuis 15 jours et je peux vous dire que ce produit est super bien pour le prix, j'en suis très très contente. Bien sûr, je n'ai pas pu tester des produits comme Make Up Forever. Voilà, j'ai la poudre. Donc comme ceci que j'ai testé aussi, c'est la poudre Banana, voilà, de la marque Ben Nye, voilà. Et voilà, c'est pratiquement la même chose à part qu'elle est un peu plus épaisse que celle de chez Action, mais vraiment pour le prix, je peux vous dire, ça fait pratiquement le même boulot. Donc moi, je m'en sers avec mon mini beauty blender. Je viens fixer ici cette poudre. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que pour moi, pour que mon aligner ne bouge pas, en fait, je mets ma base à paupières. Et ensuite, avec mon mini beauty blender, je viens prendre la poudre et je viens donc tapoter et fixer ma base de paupières que j'ai mis et ensuite je viens mettre donc mes fards à paupières et je viens donc tracer mon trait d'aligner et ça ne bouge pas. Bon, en plus de ça, je mets un fixateur de maquillage, mais je peux vous dire que mon aligner ne bouge pas. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui n'ont peut-être pas le budget de mettre peut-être des sommes exorbitantes pour ces poudres-là, je vous invite vraiment à tester celle-ci parce qu'elle fait bien son job et pour le prix, ben, je valide également. Voilà, donc ça sera terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai sollicité ces deux produits que j'ai beaucoup appréciés. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est mon opinion personnelle. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui regardera cette vidéo n'auront peut-être pas apprécié ces produits. Voilà, comme je vous ai dit, chaque peau est différente, chaque peau réagit de façon différente. En tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à d'autres vidéos. Ciao, ciao! We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so